bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Merci à vous, je suis avec mon frère. Il va y venir. Guéien, hein? Guéien, on sait que c'est le plan de l'homme qui vit le monde. Voilà. Merci, chers internautes. Je reçois le même mon frère, mon collègue. Monsieur Ibrahim Gueye, dit tout la gueule. Voilà. Et nous allons parler dans un instant de communication commerciale. On va parler de publicité, de promotion des ventes, de relations publiques, de mécénat. Voilà ce qui vous attend dans un instant. Merci, chers internautes. Je suis avec M. Ibrahim Gueye, professeur de marketing, de communication, de technique de vente. Avant de le laisser se présenter, je m'en vais introduire ce live. Nous allons parler, M. Gueye, de communication commerciale. On dit le plus souvent que les variables du marketing mix sont au nombre de 4. Certains comme vous vont parler de 8, de 10, de 12, mais moi je suis plus à 4. À savoir la politique de produit, de prix, de distribution et de communication. Je crois que depuis le début, on a eu à faire des lives sur la politique de produit. On a fait un autre live sur le prix, le pricing, si vous voulez. Nous avons parlé de la distribution et du merchandising. En pratique, on a même fait une émission sur le merchandising en live depuis le supermarché Casino. Et nous avons parlé de communication digitale depuis un moment, mais on n'a pas encore parlé de la communication commerciale classique. C'est la raison pour laquelle M. Gueye est là, pour nous parler de la communication. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons marquer une pause musicale. Voilà, Amour Bamba à la caméra. Amour Bamba. Voilà, j'espère que Bamba l'a compris. M. Gueye Ibrahim, bonjour. Bonjour, M. Sek. Ravi de vous recevoir sur votre plateau, je dirais. Oui, le plateau. Parce que marketing, mon TV Monde, c'est le plateau de tous les professionnels, de tous les professeurs du marketing. M. Gueye, vous avez la parole. Bien sûr. Merci, M. Sek, bonjour. Merci. Bonjour, chers internautes de Marketing TV International. Donc, c'est avec un réel plaisir aujourd'hui que nous partageons ce plateau avec l'éminent professeur M. Sek Laibamba, qui, je rappelle, fait partie de ceux qui nous ont encadrés depuis le début. Donc, nous suivons depuis le début de cette initiative que je trouve belle. Les émissions qui ont eu à passer sur ce plateau, et nous vous encourageons pour cette initiative. Comme merci. Vous l'avez si bien annoncé, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un thème qui a toute son importance dans la gestion des entreprises, je dirais même dans le cadre général, dans la gestion des organisations, comprenez par la communication. Donc, voilà, qui est Ibrahim Gueye? Qui est Ibrahim Gueye? Alors, Ibrahim Gueye est un Sénégalais de 35 ans, alors qui a eu, si je dois parler de mon background, qui a eu son master en management, son
master 2 en marketing communication, ainsi que son master 2 en transport logistique ainsi qu'en commerce international. Ah bon, vous avez fait le transport et la logistique? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, vous nous avez appris à élargir nos connaissances. C'est important, c'est important. Alors, qui a eu à travailler dans plusieurs structures de la place, alors qui, depuis un bon moment, est devenu consultant ainsi que professeur de marketing, communication, ainsi que technique de vente, sans parler d'autres disciplines dans lesquelles nous exerçons. Vous enseignez la logistique, qu'est-ce que c'est? Pas encore, mais la logistique reste partie intégrante du marketing. Moi, je trouve que la distribution touche en grande partie à la logistique. Par contre, dans le domaine professionnel, j'ai eu la lourde tâche de gérer plusieurs activités liées à la logistique. La logistique. Voilà, M. Gay, vous êtes consultant aussi? Oui. D'accord, bien. Très bien, très bien. On va vous laisser donner votre contact, peut-être on va le mettre en commentaire pour ceux qui auraient besoin bien sûr, d'un consultant junior en marketing. Bien sûr. Voilà, Monsieur Gay, nous avons parlé de communication, n'est-ce pas? Bien sûr, Monsieur. Monsieur Gay, qu'est-ce que la communication? Alors, merci Monsieur Sec. La communication est la combinaison cohérente de l'ensemble des outils dont dispose une organisation pour atteindre ses cibles. Alors, quand je parle de combinaison et quand je parle d'outils, il s'agit des outils médias. Ça veut dire l'ensemble des communications qui passent par les grands médias de masse, ainsi que les outils hors médias. Donc, on parle ici de communication s'il y a une combinaison de ces outils qui nous permettent d'atteindre l'ensemble de nos cibles. Je vois également dans la lecture, dans la littérature, des définitions faisant ressortir les termes d'émetteur, de récepteur, de codage, de bien sûr. Vous pouvez revenir, M. Gay, sur ces termes pour ceux qui nous suivent? Bien sûr, d'où le schéma de Jacobson, qui parle avant tout d'un émetteur. L'émetteur, c'est l'entité qui est censée émettre la communication. Alors, cet émetteur, pour transmettre un message à un récepteur, est censé le coder pour qu'il y ait compréhension entre cet émetteur et le récepteur. Alors, le récepteur est censé décoder ce message. Alors, qu'est-ce que l'émetteur attend du récepteur? Qu'il y ait un retour d'information. Dans le jargon de la com, c'est ce que nous appelons le feedback. Alors, malheureusement, il y a beaucoup d'éléments de nuisance qui contribue à la non-compréhension du message émis par l'émetteur et devant aller au récepteur, et c'est ce que nous appelons les bruits. Les bruits. Voilà. Alors, moi, je dirais en tant que marketeur que le feedback attendu par toute entité, c'est quoi? C'est le AIDA. Alors, ça peut faire rire un peu, mais je vois par cet acronyme AIDA, A qui signifie affection, en fait, notre com. Peut-être pour avoir l'affection de l'ensemble des publicités dont nous dépendons. I, c'est l'intérêt. Alors, on veut susciter l'intérêt. D, c'est le désir. J'ai suivi dans vos émissions, vous aviez parlé du produit comme toute entité mise sur le marché est susceptible de répondre à un besoin. Mais convenez avec moi que le marketing fait ce besoin par un désir. Par un produit spécifique qu'on peut parler de désir. Alors ici, nous faisons notre com pour que ce besoin ressenti par cet individu, qu'il l'identifie à notre produit, ça veut dire qu'il puisse désirer notre produit. Et A, c'est quoi? Nous faisons tout ça, bien sûr, pour que la cible puisse passer à l'action, puisse effectuer l'acte d'achat. Voilà. Monsieur Gay, est-ce qu'on peut avoir des classifications? Est-ce que toutes les communications, je crois, ne se valent pas? Bien sûr, est-ce merci. Qu'on peut avoir des classifications de la communication? Merci, Michel Sec. Nous pouvons classifier la communication en deux grandes parties. Toute communication qui passe par les grands médias de masse, que nous appellerons la communication média, via le cinéma, l'internet, la presse, l'affichage classique comme électronique, la radio, ainsi que la télévision. On peut aussi parler de la communication hors média.
Donc, l'ensemble des activités, l'ensemble des outils utilisés par une entité, une organisation, depuis le début de l'émission, je ne parle pas d'entreprise en tant que je parle d'organisation, c'est plus étendu. Mm-hmm. L'ensemble des outils utilisés par cette organisation pour influencer l'ensemble des publics cibles dont elle défend en sa faveur. Mm-hmm. Alors, on peut parler de promotion des ventes. On peut parler de marketing direct. Peut-être que nous aurons à développer dans ce sens. Mm-hmm. On peut parler de relations publiques. Mm-hmm. On peut parler de mécénat. On peut parler aussi, pourquoi pas, de sponsoring. Voilà, j'espère que nous venons de camper le débat. Chegué nous a défini la communication et il nous a dit que pour qu'il y ait communication, il faut un émetteur et un récepteur. Bien sûr. Il dit également que la communication peut des fois être altérée par un bruit. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes ici à Thiès, à la résidence JB. Et c'est très calme, il n'y a pas de bruit qui altérera notre communication. Merci à Michel Sow et à tout le staff de la résidence JB de Thiès. Michel Gay, on va y aller, étape par étape, on va d'abord aborder la publicité. Lorsqu'on parle de communication média, est-ce que c'est essentiellement la publicité? Bien sûr. Mais deuxièmement, nous allons parler de la publicité. Alors, c'est quoi les idées développées? C'est quoi la publicité? Alors, comme je l'ai si bien évoqué dans mon introduction, la publicité, c'est l'ensemble des communications émises par une organisation en passant par les grands médias de masse. Donc, tout ce qui passe par les médias de masse. Par les médias de masse est une publicité, est une action. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les médias de masse, monsieur Gay, avant de continuer voilà, sur les objectifs de la publicité. En parlant des médias de masse, j'ai parlé de cinéma, d'internet, de radio, de télévision, d'affichage. Je ne pense pas que j'ai eu à... Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les spécificités des différents médias? Oui, chaque média, ses particularités, voilà. C'est possible un bref résumé de ses avantages, ses inconvénients. Chaque média requiert, je sais, des avantages ainsi que des inconvénients. Mm-hmm. Le cinéma comme avantage, on peut parler de la facilité pour nous, entreprises, pour nous, organisations, de pouvoir déterminer la cible qui a été placée devant notre information. On saura qu'aujourd'hui, il y a eu 100 personnes qui sont entrées dans la salle. Alors, ces 100 personnes ont eu à voir notre com, à être impactées peut-être par notre com. On aura peut-être la possibilité, si nous poussons bien nos études, de connaître l'identité même de ces individus. Donc ça, moi, je le vois comme avantage. Alors, si nous le comparons un peu à la télévision aussi, ça peut être moins coûteux. Mm-hmm. Alors, comme avantage aussi, on pourrait voir l'aspect accessibilité. Mm-hmm. Voilà, l'accessibilité ainsi que la sélectivité. Voilà. Mm-hmm. Même si l'aspect sélectivité peut toujours être discuté. Mm-hmm. Les inconvénients, aujourd'hui, c'est difficile de trouver ce support, surtout chez nous. Alors, l'autre inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui vont dans les salles de cinéma. Parce que c'est difficile de trouver un public. Voilà. En plus, les gens viennent forcément pour voir un film, donc ça peut-être impacter sur notre message. Voilà, ça, c'est le cinéma. On va sur Internet parce qu'on a fait beaucoup d'émissions sur Internet. Bien sûr. Le cinéma, la presse. La presse, l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est que le délai de publication va rester moins long par rapport peut-être à la télévision et aux autres supports. L'avantage aussi de la presse, c'est peut-être cette facilité pour certaines presses de sélectivité géographique. Par exemple, le journal qui sort seulement à Thiès, si notre cible est à Thiès,
merci pour cette argumentation. Alors, l'inconvénient, c'est que ça ne dure pas, surtout pour les presses quotidiennes. Alors ça reste un inconvénient. Voilà, on le met à la poubelle. Mais aussi, des fois, c'est la qualité même de l'apparition. Le papier qu'on utilise, qui n'est pas forcément de bonne qualité. Alors ça peut impacter sur notre message, ainsi que sur les objectifs que nous assignons. C'est vrai. Fichard, la radio comme avantage, moi je dirais qu'on a la possibilité de toucher et de retoucher au message. Hein. Alors, autre avantage aussi, c'est que c'est un média très répandu, facile d'accès. Aujourd'hui, avec notre smartphone, on peut facilement écouter la radio. L'inconvénient, c'est un peu la difficulté de faire passer certains messages, surtout qui demandent une certaine illustration. On ne voit rien à la radio, c'est un peu compliqué. Voilà. Peut-être l'avantage, l'accessibilité un peu par rapport à la télévision. L'affichage moi je dirais. Il y a certains qui parlent de publicité extérieure, c'est la même chose, affichage et publicité extérieure. Oui, si on fait référence un peu aux objectifs que nous assignons. Convenez avec moi, aujourd'hui nous passons moins de temps. Chez nous passons plus de temps à l'extérieur, peut-être 8 heures de temps, de 8 heures à 17 heures on est actif. Donc ce serait difficile de nous toucher via la télévision ou bien les autres supports. Donc étant donné qu'on passe plus de temps dehors, donc l'affichage serait à mieux de pouvoir nous toucher, de pouvoir nous voir. Hein. Ça reste un avantage de l'affichage. Alors l'autre avantage c'est quoi? C'est la sélectivité géographique. Je ne veux parler qu'au cibles qui sont à Thiès, je mets une affiche dans cette zone, j'aurai la latitude de pouvoir les toucher facilement. Alors l'inconvénient c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas mettre beaucoup d'images, beaucoup d'informations. Il faut vraiment être court, il faut être clair, il faut être concis dans notre com. L'autre inconvénient, on l'a vu lors des campagnes électorales, est que facilement ça peut se détériorer. Et puis, même les concurrents peuvent venir, ou bien d'autres qui n'ont pas la même idéologie que vous peuvent venir saboter. Et ça peut avoir un impact sur l'image même que nous voulions véhiculer. Voilà, merci. Je rappelle que nous sommes ici à Thiès. Je salue au passage M. Salé Diouf, directeur marketing de l'ISM Thiès, qui a fait une très bonne campagne d'affichage dans la ville de Thiès, M. Gueye. Voilà, M. Gueye, on va terminer par la télévision. Par la télévision, qui reste un média très puissant, qui nous fait passer de l'audio, de la vidéo, du son, donc qui a cette faculté de pouvoir nous aider à argumenter sur nos offres. Mais très concurrencé par l'Internet. Très concurrencé par l'Internet, bien sûr. C'est un inconvénient. L'autre inconvénient, c'est quoi? C'est le zapping. En plus, tout le monde se rue dans certaines émissions télévisées. Donc, ce brouhaha publicitaire, ce sera difficile de pouvoir s'en sortir. Hein. Ce serait compliqué à ce niveau. Peut-être l'autre avantage, c'est quoi? C'est que ça puisse atteindre les zones les plus reculées. Voilà, je rappelle que nous sommes avec Michel Iboulagué, professeur de marketing. Michel, vous enseignez dans quelle école? J'enseigne. C'est un secret. J'enseigne à l'ESMT, l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar. C'est bien. J'enseigne à l'ISM. J'enseigne aussi à l'IMAN de Dakar. Voilà. Très bien. Et je salue au passage tous les étudiants. Tous les collègues professeurs. Ainsi que les collègues professeurs. Voilà, on va prendre un coup de pause avant de continuer. Merci. Merci à tous ceux qui nous suivent.
Je vais remercier ceux qui sont en train de nous suivre sur Marketing TV Monde. Merci. Oui, amis, je savais que tu as raison, je ne m'en fatigue jamais. Papa Baranda, vous savez, vous avez vous suivez. Merci à vous qui êtes connectés. Merci Baba Mal, Monsieur Guy, nous allons continuer avec la communication, la publicité. Quels sont les objectifs poursuivis par la publicité et quelles sont les formes de publicité qui existent? Oui, les objectifs pour atteindre nos cibles sont au niveau de trois, pour les résumer. Mm-hmm. Nous avons les objectifs cognitifs, on fait une publicité pour nous faire connaître. Mm-hmm. Nous avons les objectifs affectifs. Mm-hmm. On fait une publicité pour nous faire aimer. Mm-hmm. Nous avons les objectifs cognitifs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, M. Guy, cognitif? Cognitif, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'ensemble des objectifs que nous nous fixons pour nous faire connaître, mm-hmm. faire connaître nos offres, faire connaître notre entreprise, notre entité, notre personnalité morale. Très bien. Pour les objectifs affectifs, toute entreprise, toute structure, toute organisation cherche à influencer son public cible en sa faveur. Mm-hmm. Donc la publicité est l'un des moyens les plus puissants qui puisse nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Mm-hmm. Alors, et enfin, nous avons les objectifs cognitifs. Mm-hmm. Alors forcément, si nous arrivons à attirer l'attention de l'individu, de nos cibles immenses, si nous arrivons à nous faire désirer, forcément il va falloir le faire passer à l'acte d'achat. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on a appelé les objectifs cognitifs. Mm-hmm. Je l'ai résumé dans ma présentation en parlant d'Aïda. Aïda, je demande de me faire tirer les oreilles. Je parle d'Aïda depuis un certain moment. Merci, M. Sec, j'ai changé d'acronyme. Non, allez-y, Aïda, c'est l'affection, l'intérêt, le désir, ainsi que l'achat, l'action, le film, film, tout. Très bien. Nous avons l'habitude de le résumer. Très bien, je salue au passage Aïda depuis Ziguinchor et Aïda Lam depuis Dakar. Voilà, les Aïda qui nous suivent toujours. Aïda, bien expliqué par M. Gay. Est-ce qu'il y a des formes de publicité ou bien toutes les publicités sont de même nature ou bien visent les mêmes objectifs? Oui, merci M. Sec. Nous avons plusieurs formes de publicité. Mm-hmm. Alors, nous avons des publicités qui ne font que parler d'un produit. Mm-hmm. C'est ce que nous appelons des publicités de produits ou bien des publicités de marque. Mais une entreprise peut organiser ses produits, sa gamme en ligne. Mmh. Lignes de produits. Les lignes, pour vous rappeler, c'est l'ensemble des produits qui techniquement se ressemblent dans une gamme et peut-être destinés à un même segment, à une même cible. Mmh. Alors, une entreprise peut décider de faire une publicité pour une ligne bien déterminée. Mmh. Donc, c'est ce que nous appellerons peut-être une publicité de gamme. Mmh. Une entreprise, des entreprises évoluant dans un même secteur d'activité peuvent se regrouper pour faire une publicité et parler peut-être de ce secteur d'activité. C'est possible, bien, c'est possible. Oui, c'est ce que nous appelons les publicités collectives. Bien, donc, bien plusieurs structures peuvent se regrouper, pas forcément une entreprise, mais plusieurs structures peuvent se regrouper, pas pour parler de leur produit, mais pour parler d'un secteur ou bien d'un but à finalité collective. Nous avons les publicités d'intérêt général. Mm-hmm. Donc, ce sont des publicités qui, en général, ont pour thème des finalités sociales, mm-hmm. par exemple.
Vous parlez d'un terme social, à caractère social, hein, disons. Si on fait par une publicité pour interdire la cigarette, ça c'est quelle forme de publicité, moi je dirais que c'est une publicité d'intérêt général. D'accord. Une entreprise aussi peut ne pas parler de ses produits. Une entreprise peut parler d'elle-même en tant que personnalité morale. On parle de quoi? On parle de corporate advertising ou bien communication corporate ou bien institutionnelle. Voilà, communication institutionnelle. Voilà, merci, je ne suis pas bon en anglais, mais je. Oui, bon. Publicité corporate, publicité de marque, publicité d'intérêt général, publicité corporate, c'est ça? Oui, j'ai vu les différentes formes de publicité. Comment on fait une publicité? Alors, pour faire une publicité, il y a plusieurs étapes que nous allons devoir adopter. Alors, on ne peut pas faire une publicité sans pour autant effectuer une analyse. Alors, cette analyse, en général, si l'entreprise, je prends le cas d'une entreprise qui externalise, en général, c'est l'exemple la plus répandue, une entreprise qui externalise sa campagne de com et fait appel à une agence de communication. Et l'agence de communication va se charger de tout. Va se charger de tout et pourrait même peut-être faire appel à une régie ou bien... au support. Hein. D'accord. Alors, l'entreprise est censée lui donner énormément d'informations sur ses produits, sur sa marque, sur la politique générale de l'entreprise, puisque vous l'avez si bien introduit. Le marketing, la communication n'est que la déclinaison d'une politique marketing partant d'une analyse, avec les différents outils d'analyse, vous l'avez évoqué dans vos émissions précédentes. Partant de la stratégie, mais aussi débouchant par un plan d'action commercial. Alors, dans notre communication, nous devons être en mesure de connaître la politique générale de l'entreprise, les résultats de nos études de marché, les informations sur le produit, des informations sur l'entreprise, des informations sur la nature du marché, est-ce que c'est un marché oligopolistique, est-ce que c'est un marché monopolistique, est-ce que c'est un marché de concurrence. Alors, toutes ces informations, l'entreprise doit les regrouper et les remettre à l'entreprise agence via un document qu'on appelle le brief agence. Ce brief agence, l'agence doit se baser sur ça, réunir les commerciaux ainsi que la partie technique pour remettre un autre document qui doit être avalisé par soit le responsable commercial ou bien le directeur général, en tout cas les managers de l'entreprise annonceur. Et ce document doit concocter les cibles, les objectifs, l'orientation générale peut-être voulue par la publicité, les thèmes à aborder, en tout cas toutes les notions techniques comme commerciales que l'entreprise va mettre en place. Maintenant, si ce brief agence et ce plan de campagne sont validés, l'agence va devoir élaborer un document qu'on appelle la création publicitaire. D'accord. Dans la création publicitaire, les cibles sont encore revues. Les cibles sont revues, les objectifs que nous avons tantôt évoqués sont encore revus. Et quand je parle ici de cibles, permettez-moi un peu de faire une petite parenthèse, je ne l'avais pas évoqué en amont. Il s'agit des cibles internes comme des cibles externes. D'accord. Les cibles internes peut-être peuvent être les collaborateurs, les vendeurs externes peut-être, si on a externalisé une partie, peut-être les partenaires internes en tout cas. Les cibles externes, je les place en deux niveaux. Les cibles externes commerciales ainsi que les cibles externes non commerciales. Pour les cibles externes commerciales, on peut parler des consommateurs, ceux qui consomment notre produit, effectivement, qu'ils l'aient acheté ou non. Des acheteurs, ceux qui effectuent l'acte d'achat avec leurs propres moyens. Des prescripteurs, par exemple, je suis une entreprise pharmaceutique. Est-ce que je ne vais pas cibler les médecins qui peut-être pourront prescrire mon médicament, ainsi que les conseillers ou les leaders d'opinion qui peuvent avoir un impact sur ma cible
mon cœur de cible. Hein? D'accord. Alors, ces cibles étant déterminées dans la création publicitaire, l'entreprise doit pouvoir évoquer ce qu'on appelle la promesse publicitaire. Alors, la promesse publicitaire, c'est l'ensemble des avantages que je placerai sur le son casque, soit la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, l'argent ainsi que la sympathie. L'ensemble de ces avantages doit être reflété par notre publicité. Alors, cette promesse publicitaire doit être soutenue par ce qu'on appelle le support de la promesse. Alors, tout ça doit être matérialisé et encore, après discussion, ça pourra permettre d'entrer dans la dernière phase de notre processus de mise en place d'une pub qui consiste en au choix des médias. Alors, pour choisir les médias, nous avons passé par trois étapes. L'élimination des médias impossibles, l'élimination des médias légalement interdits et enfin procéder au choix des médias. Après toutes ces éliminations, les peut-être 3 ou 4 médias seront choisis selon ces 4 critères. Le premier critère de sélection sera peut-être la communication, c'est-à-dire la faculté qu'aura notre média à pouvoir communiquer le message voulu. Très bien. Le deuxième élément, ce sera quoi? Ce sera la sélectivité. Est-ce que notre média serait en mesure de pouvoir sélectionner notre cœur de cible ou bien notre cible préétablie? Troisième critère, ce serait l'accessibilité. Ah, est-ce que nous avons les moyens financiers pour pouvoir atteindre ces objectifs ou bien utiliser ces médias? Et enfin, la couverture. Est-ce que notre média est susceptible de couvrir toutes les zones voulues par notre camp? Donc, voici les étapes qu'il va falloir suivre pour pouvoir mettre en place une bonne campagne publicitaire. Vous avez parlé d'accessibilité, vous avez parlé d'accessibilité financière. Bien sûr. Donc pour faire une publicité, il faut un budget. Formule, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir, M. Gueye, comment on détermine un budget publicitaire? Merci M. Gueye, une question. Non, Monsieur Seck, du moins, je suis en train de vous faire un cadeau. Merci M. Seck pour cette pertinence, hein, pour cette question pertinente, puisque c'est une question qui pose beaucoup de difficultés. Dans les structures, étant donné que les objectifs que nous nous assignons dans la publicité ne sont pas forcément visibles dans le court terme. Donc, on demande à sortir de l'argent, à fixer un budget, or que les résultats ne sont pas forcément visibles tout de suite. Donc, il va falloir que le commercial puisse déterminer des arguments cohérents pouvant dire je voudrais tel budget pour telle campagne. Il va falloir aussi que les autres entités qui composent l'organisation puissent comprendre ces aspects et puissent accepter ce budget ou bien mettre son veto en fonction des études préalables. Alors, il y a toujours des préalables avant de déterminer sa stratégie de budgétisation. Alors, le premier élément à prendre en compte, c'est quoi? C'est le cycle de vie du produit. Alors, convenez avec moi que tout individu a un cycle de vie. La naissance, la croissance, la maturité, ainsi que le déclin. C'est la même chose là-bas. C'est la même chose pour le produit qui a sa phase de lancement, sa phase de croissance, sa phase de maturité, ainsi que sa phase de déclin. L'importance ici, c'est quoi? L'importance ici, c'est qu'à chaque phase, vous, manager, vous avez des décisions stratégiques à prendre dans la communication et qui peuvent impacter sur la vie, bien la continuité de notre produit. À la phase de lancement, notre produit n'est pas encore connu. Nous avons besoin d'un budget assez déterminant. Tout à fait. Pour pouvoir asseoir ce qu'on appelle la notoriété. Pour rappel, la notoriété, c'est le taux de personnes qui vous connaissent dans une population bien déterminée, que ce soit la notoriété top of mind ou bien la notoriété assistée. Alors, à la phase de croissance, forcément, les concurrents sont là sur le marché. Alors, si les concurrents sont là, ça doit impacter aussi sur notre budget de communication. À la phase de maturité, la communication publicitaire doit être accompagnée par la promotion des ventes. Pourquoi? Parce que le produit est à une phase de maturité, ça veut dire que les ventes se sont un peu stagnées à un certain moment. Les gens n'achètent plus, mais réachètent. Le secteur peut-être est à la phase de maturité. Donc, il va falloir un élément qui puisse susciter
ce besoin d'achat, c'est l'individu, cet élément qui le suscite d'une manière pour un temps bien déterminé. C'est quoi? C'est la promotion des ventes avec ces différents outils, peut-être que nous aurons à évoquer à la suite de cette présente émission. Alors, l'autre aspect, c'est quoi? C'est la présence des produits de substitution. Ça veut dire nos concurrents indirects. Un produit de substitution, pour rappel, c'est quoi? C'est un produit qui techniquement est différent d'une autre, mais qui est susceptible de répondre au même type de besoin. Alors, si les produits de substitution sont présents dans notre marché, il est préférable de déterminer un budget assez cohérent. Pourquoi? Pour pouvoir nous démarquer de ces produits, pour asseoir notre positionnement, ça veut dire l'image que nous voudrions inculquer sur la tête du consommateur et nous différencier de ces produits de substitution. Alors, l'autre, c'est quoi? C'est la nature du marché. Est-ce qu'on est dans un marché oligopolistique? Est-ce qu'on est dans un marché monopolistique? Est-ce qu'on est dans un marché de concurrence? Forcément, une entreprise dans un marché de concurrence aura un budget plus développé qu'une entreprise peut-être qui a le monopole de son activité. Alors, l'autre élément, c'est quoi? C'est la nécessité de répétition de notre produit. Alors, de notre publicité du moins. Alors, que ça soit un produit banal ou anormal, certains produits nécessitent une répétition pour pouvoir être inculqué sur la tête des consommateurs, sur la tête de nos cibles. Alors, plus la nécessité de répétition est importante, plus notre budget sera élevé. Donc, voici ces quelques éléments, ces quelques arguments que nous allons devoir pouvoir apporter pour l'élaboration de notre budget publicitaire. Alors, ceci étant dit, il va falloir élaborer maintenant une stratégie de budgétisation. Alors, pour rappel, la stratégie, c'est quoi? C'est la mise en adéquation des moyens dont nous disposions, de la mission de l'entreprise, ainsi que des objectifs que nous assignons. Alors, étant donné ici que nous avons fait une analyse, nous avons pris en compte tous ces éléments pour être regroupés en fonction des objectifs que nous nous fixons et élaborer une stratégie. D'accord. On va parler de budgétisation. On va parler de budgétisation, de stratégie de budgétisation. Voilà. Donc, je salue M. Kader Ngaba qui vous suit, M. Gay, depuis le cadre. Il dit qu'il a sa feuille et un stylo. Il note tout ce que vous dites. Mamou Fall, merci beaucoup. On va prendre une courte pause musicale. Monsieur Gay, il va marquer une petite pause sur ce que nous faisons. D'accord. Abdallah, on vous salue. Abdallah, merci à Khalifa Diaby. Merci, Chamou Pam, la caméra est connectée. Voilà, merci Baba Mal. Vous écoutez la musique aussi? Bien sûr, je sais. Vous avez besoin? Un peu. À moitié, je sais. D'accord, on va parler un peu là tout à l'heure à la fin de l'émission. Monsieur Gay, allez-y pour les stratégies de budgétisation. Merci, Monsieur Sec. Alors, par rapport aux différentes stratégies qu'une entreprise, qu'une organisation peut mettre en place, nous avons la stratégie par rapport aux concurrents. Qu'est-ce qu'on fait? On fixe un budget par rapport aux concurrents. C'est la stratégie d'alignement. On s'aligne sur les concurrents. Maintenant, peut-être le combat se placera sur d'autres leviers, soit le produit, soit la distribution, ou bien le prix. Alors, on peut élaborer une stratégie en fonction des objectifs que nous nous assignons. Alors, qui parle d'objectifs parle de moyens. Alors, on fixe des objectifs et en fonction de ces objectifs, on met en place ces moyens pour pouvoir les atteindre. D'accord. On peut parler de stratégie en fonction du chiffre d'affaires. Alors, cette méthode, elle est très controversée. Pourquoi? Parce que ça consiste à fixer un montant sur le chiffre d'affaires et, par exemple, un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Alors, pourquoi cette méthode elle est controversée? Parce que supposons que notre chiffre d'affaires baisse.
Alors, si notre chiffre d'affaires baisse, forcément, notre budget de communication va baisser. Et pourtant, c'est la communication qui est censée faire évoluer les ventes. Donc, c'est une méthode qui nécessite beaucoup, beaucoup d'analyse. Ça peut être compréhensible si notre chiffre d'affaires a eu une hausse, si nous avons connu une hausse dans nos résultats. Voilà, je rappelle que nous recevons aujourd'hui sur Marketing TV Monde, M. Ibrahim Gueye, professeur de marketing, et nous sommes en train de travailler, de parler de communication commerciale. On vient de boucler, j'espère que les éléments sur la publicité. Oui. On a parlé des objectifs. Nous avions parlé des objectifs. Rappelez les objectifs, M. Gueye. Les objectifs, merci, M. Cognitif, Seck. Je voulais rappeler, ce sont les objectifs cognitifs, ce sont les objectifs affectifs, ainsi que les objectifs cognitifs. Donc voilà les différents objectifs qu'on peut assigner à une action de publicité. On va maintenant attaquer la communication hors média. Merci. Rappelez-nous la communication hors média avant de développer les différents outils, M. Gueye. Oui, Michel Seck, pour la communication hors média, c'est l'ensemble des outils utilisés par une entité, par une organisation, pour influencer en sa faveur un public cible en ne passant pas par les grands médias de masse. Donc tout ce qui se fait en dehors des médias. Tout ce qui se fait en dehors des médias. Et quels sont ces outils? Alors, parmi ces outils, nous pouvons parler dans un premier temps de la promotion des ventes. Alors, pour rappel, la promotion des ventes, c'est quoi? C'est tout outil qui permet de susciter pour un délai bien déterminé, et je dis bien pour un délai bien déterminé, parce que toute action de promotion est placée dans un intervalle temporel bien défini. Si ce n'est pas dans un intervalle temporel bien défini, ça rentre dans la politique de prix. D'accord. Alors, et qui offre un avantage supplémentaire à la consommation. Cet avantage peut être une réduction ou bien un pourcentage sur le prix. Cet avantage peut être la vente avec prime. Par exemple, la prime différée, vous achetez. Alors, vous montrez la preuve que vous avez acheté et on vous donne une prime, soit en nature, soit en valeur. Ça peut être la prime même sur le conditionnement. Des fois, certains conditionnements peuvent avoir une deuxième utilisation. Certains le conçoivent comme une prime. D'accord. Alors, nous avons aussi comme promotion les jeux et concours. Alors, comme outil de jeux et concours, pour rappel, les concours et les loteries, la loterie, c'est quoi? La loterie, c'est le hasard, alors que les concours, ça fait appel à la performance. Alors, comme type de jeu et concours, on peut parler de Winner Pair Store. Le Winner Pair Store, c'est une technique de communication qui consiste à trouver un gagnant par magasin. Par exemple, un livre service, je ne voudrais pas faire de la publicité. Faire de la publicité pour toute entité. Mais pour se dire, du tel au tel, il y a toujours notre intervalle temporel qui revient. Si vous achetez à hauteur de 10 000 francs, vous pourriez gagner dans tous nos stores, ça veut dire dans tous nos magasins, ce magnifique véhicule. Un gagnant par magasin. Ça aussi, c'est de la promotion. Donc, pour rappel, ça fait appel aux jeux et concours, aux ventes avec prime, ainsi qu'à la réduction. À part la promotion des ventes, nous avons le marketing direct. Donc, le marketing direct, c'est un outil du moins de communication qui n'utilise pas de support, qui n'utilise pas d'interface entre le client et l'entreprise et l'entité qui est censée effectuer sa communication. Alors, des fois, on est directement interpellé via différents outils par les entités qui veulent faire leur communication. Alors, mis à part le marketing direct, nous avons les relations publiques. Alors, les relations publiques. Ce qu'on appelle RP des fois, RP. Bien sûr, RP dans le jargon. Alors, les relations publiques, c'est toute action qui consiste à influencer le public cible dont nous dépendons à notre faveur. Ça peut être une journée porte ouverte, ça peut être une conférence de presse, ça peut être les foires. Alors, il y a tellement d'outils que nous pouvons utiliser à ce niveau. Alors, nous pourrions aussi parler de sponsoring. Alors, le sponsoring, c'est quoi? C'est une
relation entre l'entreprise qui veut sponsoriser son événement et le promoteur ou bien l'entité qui est censée organiser cet événement. Mais forcément, l'entité qui organise cet événement a le devoir de visibilité, de montrer l'image, les produits ou bien parler de l'entreprise annonceur. Moyennant bien sûr une contrepartie financière de la part du sponsor. De la part du sponsor. Alors, ce qui le différencie un peu, la transition elle est toute trouvée du mécénat. Le mécénat qui constitue une action gratuite, que je mettrai entre guillemets, donc à but non lucratif, effectuée par une entreprise pour bien sûr influencer le public cible en sa faveur. Alors, une fondation par exemple peut faire des dons, et là on peut parler de mécénat. Donc pour le sponsoring, on paye pour avoir une visibilité. Pour le mécénat, on fait une activité d'ordre social. Pour pouvoir aider ou bien ça nous permettra bien sûr d'améliorer notre image ou bien d'impacter un peu notre publicité. Voilà, merci M. Gueye. Si on est en plein ramadan, est-ce que par exemple si en plein ramadan moi chef d'entreprise j'offre le logo aux talibés ou bien aux gens qui sont dans la rue, est-ce que c'est du sponsoring? Moi je le placerai plutôt, ça dépend de l'organisation qu'on va mettre en place. Non, on prend des paires à gauche, à droite, on décide. Je le placerai plutôt sous forme de mécénat et plus de la relation publique. Maintenant, l'organisation qu'on mettra en place dira si ce sera une relation publique ou bien un mécénat. D'accord, il y a quelqu'un qui vous pose une question, Michel Gaba, qui vous suit depuis le chat. Oui. Il dit le budget de communication détermine-t-il la probabilité d'atteindre ses objectifs? Ça peut impacter sur les objectifs. Le budget de communication a toute son importance puisque ça peut impacter sur les outils de communication utilisés, ça peut impacter sur le message, mais aussi ça peut impacter sur le résultat du produit final. Maintenant, à part le budget de communication, nous avons d'autres paramètres qui peuvent entrer dans la réussite de notre compte ou bien dans l'atteinte de nos objectifs. Merci Michel Gaba, je vais donner une explication plus compréhensible que ce que Michel Gaya dit à un niveau de marketing inférieur, lui il n'est pas au niveau de marketing supérieur. Non. Michel Gaba, même si vous avez un budget de communication de 1 milliard, de 1000 milliards, la première chose à faire c'est d'abord de s'assurer que le produit correspond aux attentes des consommateurs. Avant de penser à tout ce qu'il dit, publicité, promotion, assurez-vous d'abord que le produit que vous vendez correspond exactement aux besoins exprimés des consommateurs. Ça, c'est la première chose. Même si je veux vous faire savoir seulement qu'avoir un budget colossal ne vous garantit en rien une réussite. Merci, c'était juste un complément. Modeste contribution du petit professeur de marketing. Merci, M. Gueye. Merci à tous ceux qui nous suivre, on a réglé la promotion des rentes, les mécénats, les relations publiques, le sponsoring, on a fait plus. J'espère qu'on n'a pas besoin de développer la vente parce qu'il y a eu des vidéos, c'est là. Mais allez-y, la vente, M. Gueye, allez-y. Bien sûr, alors qui parle de communication, bien sûr, par de vente, donc parle de transfert de propriété, puisque je l'ai un peu souligné dans nos objectifs, c'est l'objectif final bien sûr que nous nous assignons, bien au plus qu'il va falloir assurer cette continuité, ça veut dire asseoir cette relation avec la clientèle. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. M. Gueye, un dernier mot. Le dernier mot. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas que vous avez voulu développer? Non, vous avez vraiment fait de la communication, même si c'est une discipline qui est assez large. Ouais. Il y a tellement d'éléments que nous pourrions évoquer tout ici. Tout à fait. Ceci n'est qu'un introduction à la communication. Après, vous allez revenir un jour, vous parlez seulement de la marketing grecque seulement. Bien sûr. On va couper ça. Très bien. C'est penché. Un dernier mot. Un dernier mot, ce sera un mot de remerciement envers Monsieur Bamba à la réalisation. Ensuite, Monsieur Sec, qui je rappelle a été mon professeur, non, qui nous a bien sûr, qui nous a accompagné depuis le début et qui ne cesse de le faire. Ouais,
depuis le début, voilà, nous le remercions. Et le remercier aussi de cette initiative qui est très importante, qui, ma foi, doit être accompagnée par tout le monde. Et j'invite tout le monde à suivre cette page, à aimer, à partager au maximum. Mm-hmm. Je pense qu'il est en train de faire un travail exceptionnel. Nous vous encourageons. Merci. Et voilà, le meilleur reste à venir. Moi aussi, je vous remercie parce qu'on ne devait pas se voir aujourd'hui, je crois. Mm-hmm. Je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai invité à venir faire une émission sur Marketing TV Monde parce que lui, le matin, il va vers Thiès de plus souvent, moi je vais vers un autre coin. Donc si on se courage, je vais nous en profiter pour l'avoir sur Marketing TV Monde parce que Marketing TV, c'est la télévision des marketeurs. Alors, merci, M. Gueye. Et ne quittez pas, restez connectés. M. Gueye va revenir tout à l'heure en version Wolof. Merci à vous.